Hôtel à tous, bien-aimés frères et sœurs, la base de Kamanyola est libérée. C'est la base de la MONUSCO qui était tenue par des soldats pakistanais depuis 19 ans. Les Pakistanais étaient là, dans le Kivu du Sud, en RDC. Enfin, ils libèrent cette base. Ils la remettent, cette base, à l'armée, à la police congolaise. Nous avons entendu le chef militaire de la région, le Congolais, qui félicitait, qui acclamait. Nous avons entendu la représentante, la secrétaire générale du de l'ONU, une Africaine, bien sûr, qui acclamait, qui félicitait, ils ont fait le sacrifice ultime en 19 ans. Le Rwanda a tué beaucoup, 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 des millions. Je dis bien des millions, sous leurs yeux. Le bilan, là, il est plus que catastrophique. 19 ans, les enfants qui sont nés le jour que cette armée est venue au Congo, là, en 19 ans aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Ce sont des majeurs. Pour ceux qui ont pu survivre, bien sûr. Et là, vous me dites que, félicitations, le travail, nous vous remercions. Non, il faut les maudire. Moi, je suis clair là-dessus. 19 ans, 19 ans. Imaginez un enfant qui va à l'école. Il passe 19 ans dans la même classe. Il reprend la même classe pendant 19 ans. Est-ce que on dira qu'il est bête? Non, il n'est pas bête, il est plus que bête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualificatif pour ça. 19 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pour un résultat nul. Inférieur à zéro. Même pas zéro, mais inférieur à zéro. Les gens se réjouissent. Oh, ça dit que les Congolais devraient pleurer. Nous, on devrait pleurer. Parce que ce sont eux-là qui ont causé l'échec, la mort de tous ces Congolais. Il n'y a pas que le Rwanda. Le Rwanda travaille justement avec eux. Ça dit que leur présence aide le Rwanda à avancer. Parce qu'ils donnent des informations. Ce sont eux qui ont l'information. Ils donnent l'information aux soldats rwandais. Et puis ce sont eux qui leur donnent même des armes. Et ils facilitent. On a écouté, on a entendu le secrétaire général de l'ONU. Je dis, hein, secrétaire général de l'ONU, donc leur grand patron, qui dit que mais l'armée rwandaise est mieux équipée que les soldats, les casques bleus. Mais pourquoi vous les avez envoyés? S'ils sont mieux équipés, vous ne les envoyez pas? On envoie quelqu'un pour venir arbitrer, il doit être plus fort que les deux parties. Pour s'interposer entre deux parties, là, il faut être plus fort qu'eux. Si tu es plus faible, on va t'écraser toi-même d'abord. Pourquoi vous les avez envoyés? Parce qu'on les a envoyés pour aider le Rwanda. Pas pour aider le Congo, pour aider le Rwanda. 19 ans, il y en a qui se sont mariés là-bas, qui ont acheté des terres, qui se sont installés, ils ne repartent plus. 19 ans. Il y en a, le Congo est maintenant pour eux. Ils ont pris la nationalité avec les dirigeants pourris là, de l'Afrique. Là. Qu'est-ce que vous croyez? Ils ont acheté des terres et tout, des grands domaines, ils sont là. Ce sont eux les grands patrons maintenant. Ils se sont enrichis parce qu'ils faisaient aussi le trafic des matières premières. Voilà exactement ce qui s'est passé avec ces soldats pakistanais. Oh, vivement, mon Dieu! On débarrasse-nous de toute cette mission de l'ONU là. Parce que Tshisekedi
C'est ce que dit les caresses dans le sens du poil. Il prend pas les décisions, il frappe pas du poing sur la table. Il fait un pas et puis il recule 10 pas. C'est incroyable. Je comprends pas. Les gens qui acclament, qui disent que non, c'est vraiment, ils ont fait le sacrifice ultime. Le sacrifice ultime, c'est le sacrifice des Congolais. 18 millions. En 19 ans, là. Donc, plus d'un million qui meurent par jour. Plus d'un million devant les casques bleus. Mais ils devraient partir, ils devraient avoir honte d'eux, ces soldats pakistanais-là. Ils devraient avoir honte d'eux. C'est-à-dire qu'ils devraient partir la tête entre les cuisses. Et cette dame-là, cette Guinéenne de merde, qui représente le secrétaire général de l'ONU, qui est là en train de nous regarder pleurer nos morts, au lieu de demander de faire un rapport aux Nations Unies pour dire, bon, ben écoutez, si vous ne prenez pas des sanctions contre le Rwanda, alors à ce moment, moi, je démissionne. Tu ne peux pas rester là quand tu attends de voir que tes frères et sœurs sont en train de mourir. Voilà encore les larbins de la communauté internationale, de l'OTAN. Eh oui. Non, ça va pas, ça. Ça va pas. Oui, la base de Kamanyola a été libérée, mais je ne vois pas pourquoi il faut remercier des gens qui, pendant 19 ans, n'ont même pas pu stabiliser la situation. Ils sont en train de partir, la situation est en train de devenir grave. Et oui, la guerre est maintenant intense parce que maintenant, là, les Congolais se réveillent. Ils sont en train de se réveiller. Ils ne se sont pas encore réveillés. Ils sont en train de se réveiller. Mais bientôt, là, vous allez le voir, ils seront bien réveillés. Et ça va chauffer pour le Rwanda. Je crains que le Rwanda puisse être pulvérisé. Ah oui. Et tant mieux que ces Pakistanais-là puissent partir pour ne pas voir comment on va massacrer leurs propres amis. C'est incroyable. 19 ans, 19 ans. Et ils ne voulaient pas partir. Il ne voulait pas partir, il a fallu que la population se lève. Maintenant, là, ils sont en train de partir, ils sont en train de libérer le sud là, du Kivu. Parce que dans le sud, c'est un peu plus calme. Ceux qui sont dans le nord, là, il faut qu'ils partent maintenant pour ne pas nous emmerder. Nous devons défendre notre terre parce que c'est la terre que nos ancêtres nous ont remis, nous ont donnée. Et on ne peut pas donner ça aux Occidentaux via le Rwanda. Si le Rwanda continue à s'interposer, alors nous lui ferons la guerre jusqu'au dernier Congolais. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non! Yaba Kolervé, Yamalembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.